fêtard ou la culture dans tous ses états. Le vendredi de 17h à 18h45 sur votre radio locale RGB 99.2 et sur radio-rgb.net. Priorité au spectacle vivant, chansons, théâtre, danse, musique et arts circassiens. C'est aussi la création et l'art contemporain. Fêtard à la rencontre des artistes, des créateurs et des nouveaux talents pour le plaisir des publics. Chaque semaine, un rendez-vous au cœur du sensible pour une invitation à la curiosité. Post-scriptum, oui, la diversité culturelle est indispensable à tous. Non, la culture n'est pas une marchandise, mais un bien commun qui se partage. Fêtard avec José Guérin, le vendredi à partir de 17h sur RGB 99.2, votre radio locale en direct de Cergy-Pontoise. Bonjour, très heureux de vous retrouver en cette fin de semaine, c'est le vendredi. Très heureux de vous retrouver à cette occasion pour partager une émission avec un invité qui a pour nom Éric Frasiac, auteur, compositeur, interprète. On a dit de lui récemment concernant ce nouvel album dont on va découvrir au cours de cette émission et qui a pour titre Le tumulte des choses. On a qualifié cet album d'album majeur, d'un artiste généreux, sincère et attachant, un artisan chanteur plein de générosité pour un concentré d'émotions à la fois poétiques et politiques. Il se fait rare en région parisienne, il nous vient de l'est de la France, il était de passage pour une très courte durée au cours de ces derniers jours et il a fait le passage par notre studio et par cette émission Fêtard et on est tout à fait ravis et enchantés de l'accueillir, Éric Frasiac, pour son album Le tumulte des choses. Bonjour à notre invité du jour, Éric Frasiac, auteur, compositeur et interprète. Je sais, j'aurais dû dire simplement Frasiac. Mais comme je le connais depuis quelques années maintenant, je me permets encore cette familiarité, si ce n'est sur l'édition de ses albums, dont on va parler du dernier, eh bien c'est chose faite. Il est passé de Éric Frasiac à Frasiac, et de manière tout à fait assumée. Bonjour. Bonjour. On va parler d'un nouvel album qui est sorti à la fin de l'année 2022, Le tumulte des choses, comportant 15 titres, dont 13 chansons inédites et originales et 2 reprises. Le principe des reprises, d'ailleurs, c'est pas un principe nouveau en ce qui concerne notre invité. Un album qui a déjà eu pas mal d'échos dans la presse, qu'elle soit spécialisée ou non côté chansons. Le tumulte des choses, un album majeur d'un artiste généreux, sincère et attachant. Un concentré d'émotions à la fois poétique et politique. Frasiac, Le tumulte des choses est un album essentiel, voire magistral. Quel bonheur d'entendre un si grand disque. Toutes les chansons sont d'immenses tubes. Cette dernière appréciation étant signée de Christian de Tarlet, le directeur du label EPM Music, les éditions EPM Music, qui sont plutôt bien informés sur le sujet de la chanson, avec à son catalogue pas mal de belles prises, et cela depuis plusieurs décennies. Et pour juste comme ça mettre à l'aise notre invité, et vous, auditeurs et auditrices de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM, nous sommes toujours, nous ici, dans cette émission particulière, mais pas seulement, sur cette antenne, toujours attentifs aussi, eh bien, au parcours, aux trajectoires des artistes que nous recevons à l'antenne, pardon, en direct, comme c'est le cas aujourd'hui, avec à la fois des premiers albums qu'on aime saluer dès le principe et dès l'origine, avant même parfois leur diffusion, mais aussi des artistes que nous suivons au long cours. C'est le cas de Éric Frasiac, puisqu'il en est, je crois, à son 11e album et 7e album studio. C'est un beau parcours. Très heureux de vous accueillir, cher Frasiac, sur RGB.
Très heureux d'être là, José, merci. Classement quota janvier 2023, c'est tout de suite, on met là aussi, on met, comment dire, le turbo. Phrasiak est situé en première place devant Romain Didier, Alexis HK, Alissa Vence, que j'ai reçue à votre place il y a très peu de temps, Les Ogres de Barbac, Kent, Hélène Piris et Corentin Coco, qui lui aussi était à votre place il y a quelques semaines dans cette émission et dans ce studio. C'est dire, alors classement quota, c'est une vingtaine de radios, qui sont répartis sur la France entière et qui sont plutôt amatrices de chansons et de musique et surtout attentifs à la scène qui se renouvelle sans cesse, à la scène actuelle et pas simplement chez les grandes stars et vedettes. Vous êtes attentifs, j'imagine, à ce classement quota, sachant que vous êtes en première place pour ce mois de janvier 2023. Et oui, c'est vrai que l'album est sorti, c'est le classement de décembre qui oui. est sorti fin, en début janvier, et l'album est sorti en décembre, fin novembre, et le fait qu'il se retrouve tout de suite à la première place sur environ plus de 200 productions françaises, c'est vraiment très 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 étonnant. Je suis très content qu'un nombre de radios en France soit encore sensible à la chanson. La preuve en est, c'est que je suis là aujourd'hui sur RGB et qu'on y parle chanson. Absolument. Alors, on y parle de chanson, mais aussi un petit peu à l'image de ce que vous représentez et ce que vous chantez. C'est à la fois des chansons sociales, environnementales, on pourrait rajouter aujourd'hui, chansons rebelles, chansons d'amour, chansons d'humour, parce que l'humour n'est jamais absent de votre écriture, et des chansons en tout cas chargées d'émotions, comme il a été dit, à fleur de peau, voire à fleur de mots. Voilà une belle expression à laquelle j'adhère aussi. Parce que les mots, eh bien, vous les aimez bien quand même, les mots. Ah, je les adore, la langue française est chargée de tellement de magnifiques possibilités de les faire résonner, ces mots en chanson. Et quand on y ajoute des mélodies, quand on y ajoute des instruments pour habiller tout ça, les mots prennent une dimension incroyable. Comment peut-on, avec une aussi belle langue, chanter en anglais dans notre pays? Chantons en français, nom d'un chien. Avec des références, parce que Phrasiak, notre invité, ne manque pas de références. Et on va dire d'empathie totale pour des artistes qui ont marqué le panthéon de la chanson française. Je pense à François Béranger, je n'ai pas pris au hasard ce nom, parce que vous lui avez rendu hommage avec deux albums pour revisiter son répertoire. Pourquoi cette affinité, pourquoi cette empathie particulière pour François Béranger? Mais ce n'est pas le seul, on va le dire tout à l'heure. François Béranger a été celui qui m'a mis le pied à l'étrier de la chanson. En fait, j'écoutais quand j'étais ado de la chanson, et quand j'ai découvert François Béranger, j'ai trouvé en lui un genre de père spirituel, déjà, de par ses idées, ce qu'il développait dans ses chansons. La bande de musiciens qui l'accompagnaient me plaisait beaucoup aussi, parce qu'il y avait des très jolis arrangements musicaux menés par Jean-Pierre Alarcène, le guitariste et maître d'œuvre de ses arrangements. Et ça a été mes premières scènes, en fait, parce que j'étais dans les Ardennes et je tournais en portant le matériel dans un groupe de bal, et il me laissait un petit quart d'heure vers 1h du matin, et je chantais des chansons de François Béranger sur les scènes de bal. Donc mes premières scènes, mes premières chansons, mes premiers engagements, on va dire, parce qu'il y avait beaucoup de dimensions aussi sociales, politiques, humour, amour dans les chansons de Béranger, donc je m'y retrouvais totalement. Ouais. Alors, le principe, c'est une, on va dire, une marque de fabrique chez vous aussi. Vous accompagnez régulièrement vos disques. Alors, je ne sais pas si c'est depuis l'origine, mais en tout cas, les derniers, c'est évident. Vous accompagnez toujours vos albums de reprises d'artistes que à qui vous rendez hommage, en quelque sorte. Alors, il y a évidemment Béranger, on vient d'en dire un mot. Il y a Léo Ferré qui traverse régulièrement votre discographie. Il y a eu aussi, c'était l'album, je crois, l'avant-dernier album, le 9e, Charleville. Oui. Charleville qui rend hommage à la ville, à votre ville de cœur, si j'ai bien compris. Et parmi les artistes à qui vous rendez hommage, il y a Michel Buller. Quand on parle de François Béranger, c'était la même époque aussi. Bien si sûr. Ce n'est que Michel Buller est décédé tout récemment. Juste un mois, je crois, avant la sortie de l'album. Le 7 novembre, le jour de mon anniversaire. Il m'a fait ce cadeau-là, Bubu, de partir le jour de mon anniversaire. C'est une véritable horreur. On s'était vu quelques semaines auparavant. On avait chanté ensemble. Et voilà, il est parti. J'ai repris sa chanson, une des plus belles chansons du répertoire de la chanson, qui s'appelle L'Espoir. Et il avait sorti en octobre 2021 l'album Rouge, oui. Comportant 13 chansons, un chanteur, philosophe, compositeur, écrivain, poète, dramaturge et acteur.
Je serais tenté de dire, il y avait des ressemblances entre vous et lui, même si vous n'avez pas eu l'occasion de vous exprimer forcément comme dramaturge ou acteur, C'est quoique, certain. peut-être. Non, pas vraiment. Ça, j'ai fait beaucoup de choses dans ma vie, mais pas de théâtre ni de cinéma, quoique une petite figuration un jour dans un Commissaire Maigret. Mais bon, là, c'est tellement loin. Mais c'est vrai que Bubu, c'était vraiment Michel Buller. C'est ma famille de chansons, quoi. Ça ressemble à tout ce que j'aime dans la chanson. C'est assez dans la veine de François Béranger. Ils étaient dans le même label, Sybécar, l'Escargot, dans les années 70. Et voilà, c'est ma famille. Un album dont il est question, je disais, d'amour, on va en reparler, il est question de jeunesse aussi. Un titre qui a déjà été diffusé sur notre antenne de RGB pour vous annoncer, présent à l'occasion de cette émission aujourd'hui sur les ondes enchantées de RGB sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. La chanson s'intitule « Ma jeunesse », on l'extrait de l'album. Car il y a eu un sacré gros travail de musique, musical, hein, tout cela avec une douzaine de musiciens choristes qui ont donné vie à ce nouvel album. Et on va effectivement privilégier notre rencontre autour de cet album qui a pour titre, je le rappelle, Le tumulte des choses. Chanson à suivre, Ma jeunesse. Ma jeunesse prend son temps pour plier ses bagages. Elle fleurit des printemps pour mes enfantillages. Des rêves adolescents dans les poings, dans les poches. Dans ce monde de grands, un enfant qui s'accroche. Y a toujours un martien, un cow-boy, un pirate. Pour enlever aux gamins tous ces fils à la patte. Ma jeunesse ne sait pas ce que c'est qu'être sage. Elle aime quand le cœur bat le parfum de l'orage. À ses doigts, pas de bague, à son cou, pas de chaîne. Sa candeur fait des vagues dans les vieilles rengaines. Elle déterre des trésors à chaque amour qui passe. Chaque nuit qui s'endort a des airs de palace. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse n'a pas d'âge, mais ne se ride pas. Elle a fait le ménage sur ce qui compte pas. Sur qu'on dit qu'elle est folle, que perdue est la peine. Que c'est comme de l'alcool dans son sang, dans ses veines. Elle ne se soumet pas au foutu temps qui passe. C'est une fille de joie qu'aucun flic ne ramasse. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse et courage au mur des lendemains. Elle se fout bien des cages où s'enferme chacun. Elle a gardé les yeux de la vie qui pétille. Le rire des amoureux pour une peccadille. Et même si certains soirs elle est mélancolie, c'est toujours de l'espoir qui nourrit sa folie. Ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse. C'est comme ça, elle est de toute jeunesse. De l'avenir plein les bras, émerde à la sagesse. Insoumise et rebelle à la triste évidence. Elle envoie dans le ciel son chant de résistance. Parfois elle a 1000 ans, mais s'engueule et se bat. Casque de cheveux blancs pour partir au combat. Ma jeunesse, ma jeunesse. Ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse, ma jeunesse.
Alors, en parlant de sa jeunesse, de votre jeunesse, Éric Frasiak, vous parlez finalement de la jeunesse de manière plus générale. En tout cas, c'est une manière de rappeler que dans notre société, il serait bon d'avoir un peu plus de considération pour notre jeunesse. Et on sait que dans notre pays, bah, comme dans d'autres, hein, mais nous, on connaît plutôt bien notre pays d'abord, eh bien, peut mieux faire en la matière. Oui, c'est sûr. Et aussi ma vieillesse, oui. Quand on voit ce qui se passe aujourd'hui avec ces histoires de retraite et tout ce qui risque de se passer. Sur les questions de génération et d'intergénérationnel, c'est ça aussi l'idée. Ben c'est important. En plus, moi, cette chanson-là, dans ce que je développe avant tout, c'est de dire que les années ont bon passé. Si on continue à entretenir le jardin de sa jeunesse, on a en soi des valeurs et des forces qui restent vives, qui restent ouvertes. On a toujours du rêve qui pousse dans nos têtes et tout ça. Et plus tard, on repousse cette idée d'accepter de la vieillesse. On garde en nous cette jeunesse qui nous habite depuis toujours. Et c'est le secret de nos vies, en fait. On ne meurt que quand on a décidé de ne plus être en jeunesse. Quand on parle de chansons, tout à l'heure, je me suis non pas risqué à parler de chansons sociales, mais il suffit de reprendre votre discographie pour dire que vos chansons sont en prise directe avec les réalités sociales, y compris de notre société, donc de nos contemporains. Et ça reste toujours constant, et y compris avec ce disque, ce dernier album, Le tumulte des choses. Oui, c'est tout à fait ça. Ben, c'est un album que j'ai écrit. Moi, je mets 3 ans pour écrire un disque, les chansons qui vont composer un disque. Et évidemment, les 3 dernières années qui se sont écoulées avant la sortie de cet album, il y en a 2 qui ont été marquées par la pandémie, le Covid. Donc, on y retrouve des chansons qui parlent un petit peu de tout ce qui s'y est passé, évidemment, dans ces choses-là. Et puis, quand un sujet d'actualité vient me heurter, quel qu'il soit, vient heurter mes émotions, ça finit par devenir une chanson. Donc, évidemment, je suis dans la vie, le tumulte des choses, c'est ce qu'on a vécu pendant les 3 années qui viennent de s'écouler et qu'on est encore en train de vivre aujourd'hui politiquement. Je trouvais que ce tumulte des choses, ce titre d'album collait bien à la situation sociale, politique et humaine du jour. Alors effectivement, d'ailleurs, il y a une chanson que vous ferez au cours de cette émission en live acoustique, en voix-guitare non essentielle, pour nous replonger dans ces 2 années, en particulier liées à la pandémie du Covid et au confinement, avec toutes ses conséquences. Il y a l'ennemi invisible également qui figure sur cet album. Il y a d'autres sujets, je disais tout à l'heure, chanson sociale mais aussi environnementale, parce que la colère de Greta qui ouvre l'album, elle est précisément sur l'action, sur la réaction ou les réactions ou le rôle essentiel que Greta Thunberg, militante écologiste suédoise, a su imposer non seulement en Europe mais sur la planète entière. C'est ce qui m'a donné l'idée de cette chanson, en fait, sans connaître réellement le combat de Greta Thunberg. On avait entendu parler comme tout le monde. J'ai trouvé qu'une jeune femme de 17 ans, autiste, Asperger, je suis assez touché par cette cause de l'autisme très très proche de moi, puisse se retrouver aux Nations Unies à New York devant tous ces chefs d'État et de pouvoir leur dire leurs 4 vérités et que ces chefs d'État l'applaudissent. J'ai trouvé que cette démarche-là, elle est unique, ça n'a jamais existé et je ne sais pas si ça existera encore demain. Mais en tout cas, ça m'a tellement bousculé de voir ce visage de petite fille balancer toutes ses vérités à ces hommes d'État. J'ai écrit cette chanson d'abord pour ça. Elle s'appelle « La colère de Greta ». Elle a réussi à lever des mouvements de jeunesse un peu partout dans le monde avec ses vendredis pour le futur. Et je trouve que voilà, de la part d'une jeune comme ça, c'est exceptionnel. Quoi. Et à l'heure où on se parle, le week-end dernier, elle était encore en activité, si je puis dire, militante. C'était en Allemagne, où on est effectivement dans un monde plein de contradictions, où pour se battre contre le réchauffement climatique, eh bien on se retrouve frappé par une crise énergétique à ce moment-là. Et en Allemagne, comme dans d'autres pays, on a recours eh bien, à tout ce qu'il faudrait terminer, finir, puisque c'est des rallumer les centrales à charbon. Les centrales à charbon en particulier, c'était le sujet le week-end dernier. Ouais, et c'est vrai qu'à ce moment-là, Greta
l'État a dit qu'entre une centrale à charbon et le nucléaire, il valait mieux le nucléaire parce qu'aujourd'hui, c'était moins polluant. Mais Greta n'est pas non plus pour le nucléaire. Il y a énormément de polémiques autour de Greta. Et par rapport à cette chanson-là, il y a plein de gens de mon milieu, on va dire, je ne vais pas dire de nom, mais en tout cas anarcho-libertaires, qui se bagarrent un petit peu pour le social, qui n'aiment pas du tout Greta Thunberg parce qu'ils pensent qu'elle est manipulée par une écologie du pouvoir, etc. Mais moi, je veux dépasser ces notions-là. Je trouve que quelqu'un qui fait des choses, c'est déjà énorme. Et de mettre les gens face à leur vérité, les chefs d'État face à leur vérité, c'est déjà quelque chose d'important. Tout à l'heure, on parlait de votre ville de cœur qui est Charleville-Mézières. Ça fait d'ailleurs l'objet d'un précédent album, je disais, le 9e, qui avait pour titre Charleville, et dans lequel on retrouvait cette dimension, cette verve autour bien du chant social, de la chanson ou des chansons à caractère social. Il y a aussi pour votre nouvel album Le Tumulte des Choses, vous qui êtes de l'Est, c'est là que je voulais vous amener, moi qui suis plutôt de l'Ouest, eh bien je me suis rappelé un proverbe celte qui dit que le tumulte est le fruit du combat. Oui, c'est ça. Mais c'est bien, mais ça colle bien à cet album-là. Il a un côté combat. Voilà. Alors, on va prendre le temps de découvrir cet album. On va se passer une chanson, et ça sera l'occasion aussi de parler du travail que vous avez mené avec vos musiciens choristes. Ils sont une douzaine, c'est ça ? En tout, oui. Il y a un bloc de 5 musiciens qui sont ceux qui m'accompagnent sur scène. Et ensuite, j'ai des invités pour chaque album, parce que j'aime bien que les albums soient un genre de festin musical. Tout ça enregistré dans votre Crocodile Studio. Oui, à Bar-le-Duc, en Meuse, tout voilà. Petit studio. Et distribué pour cet album par Sphère Distribution. Voilà quelques références à noter pour ce 11e album, Le Tumulte des Choses. Alors, on va être dans une ambiance musicale, comme d'ailleurs c'est le fil conducteur aussi de cet album. La musique est dans une énergie rock, folk, et vous pourriez y ajouter d'autres styles musicaux ? Moi, j'adore toutes les musiques. Je suis influencé par plein de choses. Donc, je ne me prive jamais d'utiliser un instrument ou un autre. Ouais, c'est folk, rock, chanson. Des fois, ça peut être un piano-voix. J'ai pas d'identité musicale, en fait. Voilà, c'est comme les thèmes de chansons. C'est de la musique qui parle avec ses émotions et c'est tout, quoi. Et bien, dans les émotions, on va être avec le trou de mémoire à partager sans plus tarder sur les ondes de RGB, sur le 99.2 FM. Et sur radio-rgb.net, nous accueillons Fraziac avec son nouvel album, Le Tumulte des Choses, comportant 15 titres, dont 2 reprises sur lesquelles nous reviendrons tout à l'heure. Avec son rire de fossoyeur, ses airs de voleur de bonheur, il passe sans rien dire certains soirs. Il marque du sceau de l'infamie les couplets de ma poésie, et quand il est là, c'est trop tard. Y'a plus de Rimbaud, y'a plus de verdure, juste un trou noir, une belle ordure qui m'attend avec son rasoir. Je me tords les pieds, je me casse les verres, et tous les mots vont de travers, il fout le boxon dans mes histoires, le trou de mémoire. Puis le boxeur KO dans ses cordes, ça me fait comme si j'avais des cordes embarbelées sur ma guitare. Dans les belles lumières sur la scène, je suis plus tout seul dans mes rengaines, c'est le grand duo du désespoir. Il a le regard de l'assassin qui veut se faire de l'alexandrin et me fait tomber dans un traquenard. Ça le fait bander d'être la vedette, pousse-toi de là le chanteur que je m'y mette, lui aussi veut son heure de gloire. Le trou de mémoire. Je m'accroche au fil du temps qui passe, mais le funambule a bu la tasse. Je cherche l'amour dans les regards. J'ai l'impression qu'on ne voit plus que lui. Toutes mes chansons des litanies, mes couplets tellement dérisoires. Tout fier de lui, faut qu'il parade. Il invite même ses camarades. Le trac, le stress, drôle de fanfare. Qui joue mon oraison funèbre. Y'a des démons plein mes ténèbres. C'est rien d'autre que l'enfer de l'art, le trou de mémoire.
Demain je reprendrai la route, je m'éloignerai coûte que coûte de sa sale bobine à cauchemar. Mais je sais qu'il a des indices, il reviendra dans ma musique quand et où on peut pas savoir. Quand j'en aurai marre de sa gueule pour enfin rechanter tout seul et de nouveau être peinard, je dirai à un prompteur à gage, lui faire la peau, de faire le ménage, il sera plus jamais tapis dans le noir. Je dirai à un prompteur à gage, lui faire la peau, de faire le ménage, il sera plus jamais tapis dans le noir. Le trou de mémoire, le trou de mémoire, le trou de... Le trou de quoi déjà? Alors, le trou de mémoire, ça peut arriver à chacun de nous, finalement, ce qu'on soit artiste ou pense. Et là, c'est parfois, il y a des risques, effectivement, inavoués, c'est surprenant. Alors, surprenant aussi dans le style musical, ça résonne bien dans les propos juste avant cette chanson que vous teniez sur cette antenne, Eric Frasiak, parce que là, on n'est pas franchement dans le folk ou le rock pur et dur. On est dans une ambiance, on disait d'ailleurs hors micro, plutôt dans une ambiance des pays de l'Est et effectivement de l'Europe de l'Est, avec elle-même riche d'une multitude de cultures. On pensait à la culture yiddish parce que la clarinette nous y amenait, mais d'autres cultures s'y croisent là-bas. C'est aussi ça, l'idée d'un album, c'est qu'il ne faut pas être cantonné dans un genre unique et particulier. Oui, moi j'adore la musique, j'adore plein de genres musicaux et j'aime bien aller puiser dans chacun de ces genres musicaux les choses qui illustrent les chansons. Pour moi, les chansons sont toujours des petits films en fait, et les musiques sont comme des musiques de films. Et j'aime bien écouter un album où chaque chanson raconte son histoire et que chaque chanson ait sa propre identité musicale. Je suis un peu en manque parfois quand j'écoute des très beaux textes de chansons et que j'ai un album qui a une couleur d'arrangement un petit peu unique tout au long de l'album, parce que ça, les chansons, les deux trois premières m'emmènent, mais après j'ai une espèce de lassitude. J'ai besoin de partir dans des endroits très différents musicalement. Alors, cet album, je disais, parle de pas mal de choses. J'en reviens à l'amour, oui. Il y a d'ailleurs une chanson qui a pour titre « L'amour idiot ». C'est vrai que l'amour, ça rend idiot? C'est ce que disent les autres, mais moi, je leur dis que non, l'amour, ça rend pas idiot. L'amour, c'est beau. L'amour, c'est bien. L'amour, c'est important. L'amour, c'est ce qui devrait mener le monde et pas la haine. Et j'en profite, bien entendu, malgré que c'est une chanson d'amour, pour dire que tout ce qui ne va pas dans le monde, et en disant « je me réfugie parfois dans mon amour » pour pouvoir oublier tout ça. De temps en temps, ça fait du bien de pouvoir oublier. Dans l'album, on y trouve aussi une chanson en faveur du respect de la condition animale. C'est presque un peu surprenant dans votre répertoire, je serais tenté de dire, quoique. Galgos, ça nous ramène au lévrier espagnol qu'on appelle les galgos. Absolument, c'est une race de chiens très spécifique qui sert là-bas dans le sud de l'Espagne, particulièrement à la chasse au lièvre ou à la course au lièvre ou à la course. Les chasseurs qu'on appelle les galgueros, au bout de quelques temps d'utilisation des chiens, parce qu'ils les utilisent comme des objets, s'en débarrassent dans des conditions absolument épouvantables. Et moi j'ai pris conscience de cette chose par une amie qui a adopté un galgo, et j'ai été complètement marqué par cette chose-là. Ce sont des chiens absolument adorables, et voilà, est née cette chanson qui s'appelle Galgos, ouais. D'autres sujets que l'on croise dans cet album, avec le festival Grange. Grange, c'est un festival que vous connaissez bien. Oui, c'est un festival du côté de Montmirail, avec une très belle équipe de bénévoles, un festival de chansons qui existe. C'est dans l'est de la France. En Champagne, en fait, pas loin de Cézanne, pas loin d'Épernay. Mm-hmm. Et donc, c'est une très très belle équipe. Et j'étais en immersion dans ce festival pendant un an et demi pour participer à un projet social et solidaire dans la région de la vallée du Petit Morin. Et à la fin de ce projet, j'ai écrit cette chanson pour les bénévoles du festival. Il y a eu un petit CD qui est sorti totalement en catimini. Et je me disais que de la mettre dans cet album, ça donnerait une petite lumière un peu sur ces gens qui travaillent partout en France pour faire en sorte que la chanson d'auteur, que la chanson différente, celle qu'on n'entend pas sur les grands médias, soit remerciée. Merci aux bénévoles et à tous les gens qui œuvrent pour que cette chanson-là continue d'exister. Donc le Festival Grange est un peu le porte-drapeau de ça, mais c'est une chanson pour tous les festivals en fait qui travaillent là-dessus.
Parmi les deux reprises, on a parlé de La mémoire et la mer de Léo Ferré. Ça, c'est plutôt une forme de continuité. Il y a un hommage aussi que vous réactualisez de manière permanente. Il a été important pour vous, Léo Ferré, au travers de ses chansons. Oui, absolument. Béranger a été le premier initiateur de mon envie de chanter, mais Léo Ferré a complètement fait basculer mon envie d'écrire, la façon dont la façon de manier les mots, de manier les textes, la beauté de la poésie, l'espèce de folie, la grandeur et tout ça. Ferré a été vraiment quelqu'un de très très important. Et dans chacun de mes albums aujourd'hui, j'aime mettre une chanson de Léo Ferré. Et ça fait 5-6 albums que ça dure, et il y a toujours une chanson de Léo Ferré. Donc là, je me suis attaqué à un morceau assez énorme, La mémoire et la mer. Mmh. Mais j'avais envie de lui donner une autre couleur que celle que Léo lui donne en piano-voix avec quelques cordes. Je vais donner un genre de rock attitude comme ça que je trouvais qui était dans les mots, et j'avais envie de l'entendre sonner comme ça. Alors, je l'écouterai, nous la partagerons avec les auditeurs à l'occasion d'une autre émission. Là, je voudrais partager aujourd'hui l'autre reprise, beaucoup plus inattendue, voire surprenante, dans un disque de Eric Frasiak. Et pourtant, si on y réfléchit bien, quand on parle d'émotion, quand on parle d'interprétation, le mot interprète n'est pas suffisamment valorisé, parce que souvent, quand on regarde le petit écran, c'est à la télévision, il y a vraiment interprète et interprète. Et David Desremaux, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Hexagone, qui est consacrée à la chanson, ne s'y est pas trompé. Il dit la chose suivante à propos de cette chanson et de cette interprétation qui est la vôtre. « Frasiak ne dédaigne pas aller là où on ne l'attend pas. » Ainsi, sa reprise de « Rêver » de Mylène Farmer et de Laurent Boutonnas nous apprend plusieurs choses. La première, que Mylène Farmer a dans son répertoire des chansons qui tiennent la route. La seconde, qu'il faut se méfier des a priori. Et la troisième, que Frasiak, qu'on loue à juste titre pour la sensibilité de ses chansons, est doublé d'un talent d'interprète indéniablement. Et la version qu'il donne de « La mémoire et la mer » de Feu Ferré nous fera pas mentir, assurément, du Frasiak pur comme on l'aime. Eh bien, on va découvrir cette chanson et on en reparle ensemble. D'avoir mis son âme dans tes mains, tu l'as froissée comme un chagrin. Et d'avoir condamné vos différences, nous ne marcherons plus ensemble. Sa vie ne bat plus que d'une aile. Dansent les flammes, les bras se lèvent. Là où il va, il fait un froid mortel. Si l'homme ne change de ciel, pourtant j'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. Au souffle du vent, s'élevait là l'humanité, son manteau de sang. J'irai cracher sur vos tombeaux, n'est pas le vrai, n'est pas le beau. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. À quoi bon abattre des murs pour y dresser des sépultures? À force d'ignorer la tolérance, nous ne marcherons plus ensemble. Les anges sont là de nous veiller, nous laissent comme un monde avorté.
suspendu pour l'éternité. Le monde comme une pendule qui s'est arrêtée. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer au souffle du vent. S'est levé l'âme, l'humanité, son manteau de sang. J'irai cracher sur vos tombeaux. N'est pas le vrai, n'est pas le beau. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. Au souffle du vent s'est levé l'âme, l'humanité, son manteau de sang. J'irai cracher sur vos tombeaux. N'est pas le vrai, n'est pas le beau. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. J'ai rêvé qu'on pouvait s'aimer. J'avais rêvé du mot aimer. J'avais rêvé du mot aimer. Moi, je pense que Eric Frasiak aurait pu écrire ça, finalement. C'est pour ça que je l'ai reprise, parce que j'aurais aimé l'écrire. L'amour comme seul rempart à la barbarie et à la haine. Vous aviez dit ça à l'occasion d'un précédent album, mais on y reste dans cette constance. Absolument. Alors, revenons un instant quand même sur cette chanson. On parlait tout à l'heure, des a priori que nous avons tous, finalement, même si on y prend garde, même si on reste un petit peu vigilant pour ne pas l'être. Les a priori, ça nous traverse tous l'esprit, y compris dans le monde artistique. Oui, et particulièrement dans le monde que je fréquente, moi, qui est celui de la chanson. Moi, les barrières, les cases, les enfermements, les prisons, on enferme certains créateurs ou certaines personnes. Je ne supporte pas ça. Donc, quand je peux faire un petit peu exploser les frontières, je suis très, très, très content. Et ça, il y a un petit côté défi dans la reprise de cette chanson. Mais comme je l'aime beaucoup, j'avais envie de la mettre. Elle fait un petit peu polémique, mais j'aime bien parce que justement, ça permet d'ouvrir, de parler, d'expliquer. Et à l'écoute de ça, quand les gens n'avaient pas vu de qui était la chanson, les gens auraient pu penser que c'était de Frasiak. Oh. Donc, alors que c'était de Mylène Farmer, voilà. Alors, on disait hors micro, on peut rendre hommage à cette artiste femme qui, d'abord, elle est dans l'écriture aussi, pas simplement dans l'interprétation, et ça depuis toujours. Et qu'on l'aime ou qu'on ne l'aime pas, il faut bien reconnaître au niveau de sa carrière, de sa trajectoire artistique, et surtout quand elle se produit sur scène, qu'elle est quand même une femme exceptionnelle. C'est des niveaux, des moyens, de qualité professionnelle absolument incroyable. Il y a un côté, on dit de Léo Ferré, c'est un anard, mais je trouve que chez Mylène Farmer, il y a un côté anard aussi, de par sa détermination et sa liberté à faire ce qu'elle a envie de faire. Donc voilà, je ne suis pas fan de tout ce qu'écrit Mylène Farmer, mais c'est une belle artiste. C'était bien de nous avoir en tout cas ouvert l'esprit et aussi de rappeler que dans le répertoire de la chanson française, eh bien, il suffit de prêter un peu plus l'oreille pour découvrir, voire redécouvrir des artistes comme ce type de reprise que vous nous proposez dans cet album. Le tumulte des choses, sorti donc en novembre 2022, le 22 novembre 2022, votre 11e album et 7e album studio. Avec 15 titres, c'est une belle production, beaucoup de générosité parce que aujourd'hui, il y a plutôt tendance à produire des disques autour de 8 titres parce que sinon, ouais, ça ne s'appelle pas un album. Et sinon, c'est fou ça. Ouais. 8 titres, mais comment on peut raconter une histoire en 8 chansons? Moi, ça me... Oui, c'est vrai, je crois que le dernier Zazie fait 8 titres. Même Souchon, que j'adore, a fait un album en 8 ans de 10 chansons. Voilà, mais après, bon, c'est sûr, il faut aller chercher l'inspiration, l'écriture. Il ne faut pas non plus sortir un album à tout prix parce qu'il faut le remplir. Moi, j'essaye de ne mettre des chansons dont je suis fier. Je m'amuserai pas à remplir un album avec des chansons que je pensais ne pas abouties. Donc voilà, oui, 15 albums, c'est en général 15 chansons, pardon, c'est en général le chiffre fétiche de mes albums. Mmh.
Paroles et musique d'Éric Frasiak, à deux exceptions par rapport aux reprises qu'on a citées. Dans cet album, eh bien, c'est nos histoires d'humains, parce qu'on peut se sentir tous concernés comme auditeurs. Nos histoires d'humains, bah, c'est autour, comme je disais tout à l'heure, histoire d'amour, d'humour, jeunesse, de la mort aussi, de chiens, comme on en parlait tout à l'heure, de la planète en danger, des années Covid, des émotions et des bagarres de nos vies. Et les années Covid, on va y revenir un instant avec la chanson que vous allez nous interpréter en live, en acoustique, voix guitare, mais on invitera ensuite nos auditeurs à écouter la version qui figure sur l'album avec vos musiciens. Mais merci en tout cas de vous prêter au jeu du live acoustique avec la chanson Non Essentielle qui figure sur cet album où il est question de la culture, d'être en faveur de la culture en général et de la poésie en particulier. Non essentielle qui aurait dit qu'un jour on appellerait comme ça ceux qui marchent à la poésie, à l'émotion et au pourquoi. Quel est le faiseur de parlotte, le petit gratte-papier du pouvoir, qu'a choisi ces mots de despote pour insulter nos belles histoires. Comment lui est venu à l'idée, balancer dans les oubliettes tout ce qui fait rêver, frissonner, qui nourrit nos cœurs et nos têtes. Qui a osé ces deux mots-là, qui tire un trait sur nos folies. Qui met un paillon sur la voie, ceux qui parlent pas d'économie. Non essentiel le petit libraire, qui se bat tout seul contre des moulins, pour qu'il y ait sur ses étagères 10 000 voyages dans ses bouquins. Les larmes aux rideaux du théâtre, qui pleure les beaux jours de Beckett, et qui sait plus comment se débattre pour pas finir en supérette. Les coups de gueule de Vincent Lindon, les Ken Loach, les Costa Gavras, aux caméras Révolution, qui font le monde moins dégueulasse. Le souffle de l'accordéon, les mains qui courent sur des guitares. Danger de virus pour la nation, poète, on verra ça plus tard. Non essentiel sur sa console, l'intermittent du désespoir, la chouette à sauce de bénévole qui met de la couleur aux nuits noires. Le boulot du programmateur, ses 120 places à faire vibrer avec cet inconnu de chanteur qu'a pas de showbiz dans ses couplets. Les pas de la danseuse dans le vent qui sur son lac nous fait des signes. Le mec qui break ses 25 ans, hip-hop sa vie qu'on égratigne. Léo, je te jure, avec le temps, faut que tu remballes ta poésie. Grand Jacques et ta valse à 1000 temps, tu peux jeter tout ça aux orties. Non essentiel les soirs de fête, au resto des copains d'abord, le bar à l'abri de la tempête, du monde des cons et de la mort. Devant le magasin de jouets, le gosse qui invente le cinéma, son pépé tout seul au bleuet, qui aimerait bien le serrer dans ses bras. La Joconde, son sourire de velours, le flacon de rêve du parfumeur, le beau bouquet pour ton amour, les cheveux sur ta tête de vainqueur, le partage, l'amour, la passion, l'ENA c'est pas dans son micel. Des barbelés sur ma chanson, dans le camp des non-essentiels. Des barbelés sur ma chanson, dans le camp des non-essentiels.
Frasiac, Éric Frasiac, auteur, compositeur, interprète, notre invité sur l'antenne de votre radio locale RGB sur le 99.2 FM et sur radio-rgb.net. Invité de l'émission Fête Art ou la culture dans tous ses états, c'est le vendredi 17h-18h45, mais c'est également le samedi en rediffusion dans les mêmes conditions, 12h-13h45. Émission ensuite disponible dans son intégralité en podcast et cela à volonté en allant toujours sur la bonne adresse radio-rgb.net, qu'on se le dise. Un album effectivement à remarquer, un album qui a été apprécié par de nombreux auditeurs, mais aussi amateurs de chansons, critiques dans la presse spécialisée ou non. On a pu lire la chose suivante sous la plume de Nicolas Galmich dans l'Est républicain, dans votre région, Éric. Le tumulte des choses de Frasiac, 15 titres dont deux reprises où l'émotion est à nouveau à fleur de mots, touchant l'âme dans sa complexité et son humanité, une réussite. Sous la plume, cette fois-ci, eh bien, d'autres critiques de presse, je pense à David Desremaux, rédacteur en chef de la revue trimestrielle Hexagone, consacrée à la chanson. Il a dit la chose suivante: Frasiac revient régulièrement nous donner de ses nouvelles, parler d'amour, d'amitié, nous dire sa folle passion pour le show business, là, un brin d'ironie, c'est dans sa part. Nous renvoyons l'écho d'un monde aussi laid que beau. Son boulot à ce monsieur, c'est sinon nous rendre la réalité contemporaine supportable, du moins nous la faire oublier le temps de ses chansons. Et c'est haut la main qu'il y parvient. Frasiac, à l'image d'un béranger, partage des tranches de vie qui, au fil du temps, se font davantage chanson pour que chanson contre. Et après, il a fait effectivement tout un petit texte que j'ai déjà lu au sujet de la reprise de la chanson Rêver de Mylène Farmer. J'imagine que ça fait du bien quand même, toutes ces critiques. Oui, surtout de la part d'Hexagone, hein. Ce sont des revues quand même assez essentielles pour... pas faire de jeu de mots avec la chanson qui précédait, mais c'est des revues essentielles qui font en sorte que cette chanson d'auteur, que cette autre chanson que celle diffusée par les grands médias existe. Donc là, c'est vraiment une parution de référence et j'étais très très fier de ces mots à David, merci. Autre parution essentielle qui est citée dans cette émission régulièrement, sous la plume d'Alex Monville de Francophone, de numéro de décembre 2022, janvier 2023, il a dit et écrit la chose suivante à propos de votre album: une vie au service des mots et de la chanson, un travail d'artisan plein de générosité, une générosité qui transpire tout au long des 15 plages de cet album, le 11e de notre Lorrains, articulé autour de la guitare acoustique et d'une voix chaleureuse, les chansons qui évoquent par instants d'illustres songwriters américains comme John Cougar Mellencamp ou bien Neil Young, nous parlent de l'amour de la jeunesse, de l'état de la planète et des non-essentiels, avec des mots simples et justes comme ceux d'un ami. Félicitations à Frasiac, l'auteur de cette proximité, et mille bravo aux superbes interprètes qu'il transfigure avec une même aisance, Léo Ferré et Mylène Farmer. Chapeau. Ça fait du bien, ça fait plaisir. Puis quand on me compare à Neil Young, qui fait partie de mon grand panthéon des guitaristes et des folk singers américains, je suis assez touché, j'avoue. Alors, chapeau, c'est aussi un clin d'œil à votre... tenue de scène. Mais oui, sauf qu'aujourd'hui j'ai une casquette à la radio parce que ouais. Mais, mais c'est vrai que mon chapeau, il a changé ma vie, ce petit chapeau. Ouais. Alors, chapeau que l'on retrouve sur la pochette de votre album. Bien sûr. On va en dire quelques mots. D'abord sur le visuel qui a été choisi et aussi sur le fait d'accompagner cet album d'un vrai livret, une vingtaine de pages, si j'ai bonne mémoire. Oui, c'est ça. Où on y trouve à la fois le texte de vos chansons, elles sont au nombre de 15, donc ça permet effectivement de prendre le temps de découvrir les unes et les autres, et tout cela accompagné de dessins, d'illustrations. Là, on fait appel à ses amis artistes. Oui, en fait, je voulais faire un clip de la chanson « Chat » du précédent album, et il y a une jeune femme qui s'appelle Ellie, qui dessine, qui fait du manga dans ma région, à côté de Bar-le-Duc, et je lui ai proposé d'illustrer... la chanson Chalm a réalisé un clip qu'on peut voir sur internet, qui est vraiment très très chouette. Et je pensais que c'était, j'avais jamais fait ça pour un album, mais c'était souvent des photos que j'utilisais d'habitude. Et là, je lui ai demandé de réaliser le livret de cet album-là, en dessinant, en mettant son
son imaginaire au service des textes. Donc voilà, elle m'a fait pour chaque page une belle illustration. Et c'est un livret qui se lit un peu comme une bande dessinée, un peu comme ça. Et la photo de la pochette est de Michel Pabiou, prise lors d'un concert. Je trouvais qu'elle parlait bien de ce tumulte des choses qu'on peut avoir en soi aussi, une espèce de réflexion sur le monde, une espèce de regard comme ça en se disant voilà, il se passe quelque chose, il va peut-être falloir y aller là. Notre invité a déjà fait des premières parties d'illustres artistes avec qui vous avez, me semble-t-il pour certains, une affection particulière. Je pense à Hubert Félix Thiéfaine, je pense à Bachung, pense à Paul Persson, Clarica, Pierre Perret, Sandre Severino et bien d'autres. Mm-hmm. Vous avez aussi, alors je n'ai pas cité son nom, mais on dit souvent aussi en parlant de vous dans le monde de la chanson, une certaine proximité, alors un attachement aussi aux chansons sociales, comme on disait tout à l'heure, un certain Bernard Lavilliers aussi. Bien peut-être. Sûr, oui, absolument. J'ai toujours été un grand admirateur de Bernard Lavilliers pour la force de ses mots, de sa façon sur scène d'être au combat, et puis son entourage musical, François Bréhand et tous les musiciens qui l'accompagnaient, pareil, cet esprit musical autour des textes de Lavilliers, ouais, très chouette. Tout à l'heure, on a parlé en détail de la colère de Greta en faveur de l'écologie. Greta Thunberg, donc militante écologiste suédoise qui était encore active le week-end dernier du côté de l'Allemagne, mais ses combats sont loin d'être terminés. Elle soulève effectivement l'approbation, le soutien d'une part, et d'autre de la désapprobation, voire une forme de combat presque radical à son égard, parce qu'elle n'a pas que des amis sur cette planète. Mais comme l'urgence de protéger notre planète est bel et bien là, on va partager avec nos auditeurs la chanson « La colère de Greta ». On peut être sérieux quand on a 17 ans, avoir au fond des yeux des orages de printemps. Aux nations désunies, quand s'élève sa voix, le monde écoute petit la colère de Greta. Pour l'ours blanc qui meurt sur son bout de banquise, la forêt qui a peur du feu de la bêtise. Pour les terres asséchées comme le cœur des États, de larmes et de beauté, la colère de Greta. De ses rêves volés à son temps de l'enfance, de l'époque abîmée au nom de la croissance. Elle a fait de sa vie si petite un combat, jamais aucun répit, la colère de Greta. Ce monde à genoux au fleuve de douleur, elle se tient là debout dans le vent des fureurs. Tant de creuses promesses aux années de débat, le sang de la jeunesse, la colère de Greta. Arrogante, Asperger, sale gamine hystérique, ultra-conservateur et climato-sceptique, voudrait-on la faire taire, elle s'en fout, elle se bat, rien jamais ne tempère
colère de Greta. Grand leader de pouvoir, qui parlait faites semblant sans jamais rien pouvoir. Combien de temps encore vont durer vos blablas? À l'amour, à la mort, la colère de Greta. Avec ses vendredis pour changer le futur. Partout monte le cri qui n'était que murmure. La sixième extinction à nos portes déjà. Alors à l'unisson, la colère de Greta. La colère de Greta, ce chanson qui ouvre cet nouvel album de Frasiak, Eric Frasiak, notre invité, Le tumulte des choses, comportant 15 chansons, dont deux reprises. Album sorti le 22 novembre dernier, c'est déjà son 11e album et 7e album studio dans sa discographie, enregistré dans son Crocodile Studio. C'est aussi une manière de se garantir une indépendance, une liberté plus grande. Oui, total. Ça, je suis très content d'être totalement disponible pour y faire ce que je veux dans ce studio. Je suis chez moi. Aujourd'hui, je travaille vraiment comme un artisan. Hein. Je suis mon propre maître de tout, ni Dieu ni maître. Voilà, c'est tout à fait ma devise. Et là, pour l'album, pour les enregistrements, c'est fait chez moi dans mon studio. Oui. On remonte de lointaines années en arrière pour montrer effectivement que malgré le temps qui passe, vous êtes fidèle à vos convictions, à votre engagement artistique. Je remonte dans les années 80, je crois que c'était au moment du Printemps de Bourges, ce ouais. Que vous avez repéré, remarqué. Parmi ceux qui ont apprécié votre présence à l'occasion de ce Printemps de Bourges, il y avait un certain Maurice Frot. Oui. Ça vous parle? Ah oui, ô combien. Et il a dit la chose suivante: déjà dans les années 80, parlant de vous, Frasiak a une personnalité, une authenticité de poète révolté par la bêtise, une sensibilité décorchée. Ses textes empruntent leur rythme et leur couleur à la langue vivante contemporaine, celle de la rue et de la vie. Sur scène, c'est un grand souffle de bonheur et de tendresse. Ça demeure toujours vrai. La scène, c'est aussi souvent ce qui permet d'incarner à la fois toutes ces émotions, tout cet engagement artistique. C'est toujours vrai aujourd'hui? C'est la finalité, la scène. On écrit des chansons pour soi, bien sûr, parce qu'on a envie d'exprimer des émotions, mais ce moment de partage avec le public, c'est la finalité de l'existence même d'une chanson. La chanson ne serait rien si elle n'était pas dans les oreilles des spectateurs, si on n'avait pas ce moment de partage, cette sensation de moments d'amour qu'il peut y avoir entre un public et nous sur scène. Enfin, pour moi, c'est vraiment les moments où je me réalise totalement. Et contre vents et marées, contre tous ces avis de tempête qui ont traversé le temps justement de ces 40 dernières années, qu'est-ce que vous retenez, vous, en tant qu'artiste, de ce temps qui vient de s'écouler et qui éclaire peut-être le futur?
Ben moi, le temps qui passe, malheureusement, fait partie beaucoup de mon écriture de chansons et je le redoute au plus parce que quand on me dit que j'ai fait déjà 11 albums, que j'ai fait 7 albums studio, je me dis c'est pas vrai, combien je vais encore pouvoir en faire? Et le temps, moi, c'est quelque chose qui me. Je lutte un peu contre lui. C'est pour ça que j'écris une chanson comme Ma jeunesse en me persuadant qu'il faut que je la garde le plus longtemps possible en moi pour. Mais en tout cas, je suis assez content parce que c'est vrai que c'est un parcours long. Je suis toujours là, j'écris toujours des chansons. Il y a toujours des gens qui viennent nous voir en concert, qui trouvent mes albums intéressants. Donc, je ne peux que m'en satisfaire, bien sûr. Autre référence avant d'écouter la dernière chanson de cet album, celle de Catherine Laugier qui écrit pour Nos Enchanteurs le quotidien de la chanson. Elle a dit à propos de votre nouvel album et de vous-même, un condensé en 15 chansons du phrasiaque qu'on aime, engagé, poétique, tendre, plein d'autodérision, chapeau pour l'écriture de ce trou de mémoire qu'on a écouté tout à l'heure, un petit chef-d'œuvre souligné de cuivre et d'accordéon narquois, à la fois donc sur une musique riche à la croisée du rock, de la chanson avec son équipe habituelle. Phrasiaque est un fidèle, que ce soit au Festival Grange, à sa jeunesse, à ses amis, à son amour. Ses reprises sont toujours en cohérence, cette mémoire de la mer. L'un de ses maîtres, Léo Ferré, semble sienne, profonde et naturelle, chaleureuse et étonnamment rêvée de Mylène Farmer. Elle nous dit bien sûr qu'il faut continuer de vous écouter. Avec plaisir, je vais essayer de continuer à faire les choses le mieux possible. Oui, elle parlait de fidélité malgré le temps qui passe. Oui, ça oui, parce que mes valeurs, elles sont en moi et c'est vrai que je suis quelqu'un d'assez fidèle à mes valeurs. Je me suis jamais laissé trahir par mon moi-même, donc j'essaye de conserver, de rester sur la route sur laquelle j'ai commencé à emprunter il y a une quarantaine d'années, oui. Eh bien, j'apprécie très fort que votre route soit passée par notre studio aujourd'hui. C'est un plaisir. Et on aura plaisir d'abord de nous tenir au courant, de tenir au courant nos auditeurs pour suivre votre travail de création, les actualités concerts et aussi cette discographie qui s'enrichit année après année. Il y a un site internet, c'est le www.phrasiac, alors on précise, phrasiac sans Z, Phrasiac, donc il n'y a pas de Z, hein, contrairement à la prononciation. C'est bien, je trouve que c'est bien. Phrasiac.com, et là vous savez tout sur notre invité et sur ses projets, ses futurs concerts, parce qu'il y aura des concerts à venir. Oui, il y a plein de concerts à venir, il faut les voir sur le site. On n'est pas souvent en région parisienne parce qu'on sillonne la France et un peu la Belgique, un peu la Suisse. J'étais à Saint-Pierre-et-Miquelon il n'y a pas longtemps, on se balade beaucoup. Et en région parisienne, on n'y est pas longtemps, donc on est le 24 mars au Forum Léo Ferré à Ivry-sur-Seine. Si ça peut intéresser des gens de la région. On rappellera cette date, d'autant qu'il faut soutenir également ce lieu. Absolument. Rare qui se situe en Île-de-France, qui défend depuis tant de temps la chanson de caractère, comme j'aime à dire, la chanson où on prend le temps d'écrire avec de vrais mots. Tiens, on va finir avec la chanson « Trop de mots dans mes chansons ». Vous disiez tout à l'heure, ce qui manque aujourd'hui dans les chansons, ce sont les mots. Il y a tellement de façons de jouer avec la langue française, elle est magnifique et magique. Alors pourquoi pas se donner ce corps et âme finalement dans l'écriture ? Ah ben oui, c'est ça. Pour moi, c'est là que c'est mon bain de jouvence que de mettre les mots les uns au bout des autres pour en faire des textes, de la poésie et créer des émotions avec. Mille merci, Eric Phrasiac. Merci, José, pour l'accueil. Le tumulte des choses, c'est votre dernier album sorti récemment. C'était le 22 novembre dernier. 11e album, 7e album studio, comportant 15 titres, dont 2 reprises. Voilà, je vous souhaite les plus belles émotions à partager avec le public pour bien des années encore. J'espère que d'ici là, on aura l'occasion de se recroiser sur les ondes enchantées de RGB en particulier. Merci. Je l'espère en tout cas, merci. Merci. Je ferai la une des magazines qui m'inventeraient des petites copines. Je ferai des procès à Voici, à ces branques de paparazzi. J'aurai des potes dans la police, on céderait à tous mes caprices. J'aurais vraiment une vie de dingue, des lignes de coke, une ligne de fringue. Ce serait plus facile pour de bon, mais y a trop de mots dans mes chansons.
J'aurai des millions de followers sur Insta, Facebook et Twitter. Du merchandising pour mes fans qui pour moi donneraient un organe. Je tutoierai quelques ministres qu'aurait voulu être un artiste. On m'entendrait à la radio autant que les pubs pour être moins gros. Je serai de toutes les émissions. Mais y a trop de mots dans mes chansons. J'irai chez Nikos faire le fier et je ferai des coucous à ma mère qui serait contente que son fiston lui cause dans la télévision. J'irai plus jamais faire les courses, y aurait plus de cordons à ma bourse. Au lieu de faire des heures à l'usine pour m'acheter une guitare Martine, je ferai marcher mes relations. Oh mais y a trop de mots dans mes chansons. Sûrement à Privert à la FNAC. Je remplirai un mois l'Olympia. Les Zéniths seraient trop petits pour moi. Faudrait peut-être que je m'exile en Suisse. Optimisation de bénéfices. J'aurai un secrétaire privé, un avocat pour tout régler. Et je me ferai un max de pognon. Mais y a pas d'anglais dans mes chansons. Même si c'est beau l'Est de la France, je t'offrirai de vraies vacances à Saint-Barth ou bien à L.A. dans des îles qu'on sait pas où c'est. J'aurai une bagnole pour chaque jour, des lunettes noires pour faire l'amour. Au milieu de toute cette folie, je pourrais pas te garder pour la vie. Je serai pas loin de la dépression. Ouf, y'a trop de mots dans mes chansons. Frasia, arrête de dégrer. Pourquoi? Y'a du matos à installer. Non, ça va. Arrête de te prendre six boulots. Oh, ouais. Faut qu'on répète, monsieur Boulot. On la connaît par cœur. T'as qu'à écrire des trucs qui groovent. Bah, ça pourrait marcher si ça se trouve. Ah, tu crois? Des chansons comme celles qu'on entend. Bah, où ça? Avec pas beaucoup de mots dedans. Ah, la radio. Puis tu nous gonfles de toute façon. Ah, ouais, je sais bien. Nous, on les aime bien, tes chansons. Ah, ben ça, c'est gentil alors. Merci beaucoup. Youhou! Un petit peu trop la chanson.